بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزنمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah de nous réunir dans le Firdaus al-A'la avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les grands prophètes, avec les prophètes, avec les compagnons, avec les hommes et les femmes d'honneur qui ont eu la satisfaction d'Allah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, déployez-vous sincèrement. Utilisez toute votre intelligence et cherchez calmement et sincèrement. Et vous allez trouver, inshallah, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée si vous les méritez. Pas n'importe qui mérite l'islam. L'islam se mérite. Et ce n'est pas n'importe qui mérite la guidée d'Allah. Donc, elle se mérite. Déployez-vous pour la mériter. Un frère me dit, « Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi al-habib Mustafa. Qu'Allah t'accorde le firdaus. Subhanallah. Quelle personne malhonnête se magite. Il est très malhonnête intellectuellement. Il est malhonnête et pervers. Les deux, hélas. On a souvent considéré les non-croyants dans le passé comme un peuple pervers car ils traitaient de mensonges les révélations de Dieu. On a souvent considéré ces gens-là comme un peuple ingrat, un peuple ignorant, un peuple rebelle, etc. Les qualificatifs, je crois qu'on les connaît tous à peu près dans le Coran, selon les peuples et selon les sourates. Mais jamais la perversité n'a atteint un tel degré comme de nos jours. Un mécréant lambda, dans le passé, il ne croit pas. Cela ne l'intéresse pas. Point. Il préfère vivre sa vie en dehors de l'islam. En dehors de Dieu. Point. Il préfère jouir du bas monde, profiter de ce bas monde et qu'on lui foute la paix. Un mécréant lambda, dans le passé, il ne croit pas, cela ne l'intéresse pas. Point. Il préfère vivre sa vie en dehors de l'islam, en dehors de Dieu. Point. Il préfère jouir du bas monde, profiter des biens de ce bas monde et qu'on lui foute la paix. Ça, c'est le mécréant lambda. Aujourd'hui, on a le mécréant pervers et machiavélique. Aujourd'hui, on a le mécréant pervers et machiavélique. Il ne croit pas, mais cela ne s'arrête pas là. Ça serait trop facile, non? Il ne croit pas, mais il va passer sa vie à s'intéresser à une chose à laquelle il ne croit pas. La perversité extrême. C'est comme si, moi par exemple, je ne croyais pas à l'existence des extraterrestres et que je passais toute ma vie à essayer de démontrer qu'ils n'existent pas et que ceux qui y croient sont idiots, naïfs, aveuglés, etc. C'est pas paradoxal comme attitude? C'est pas paradoxal comme attitude, il nous dit. Je ne crois pas aux extraterrestres. Donc, je donne mon point de vue, si on m'interroge là-dessus, et ça s'arrête là. Ensuite, je consacre mon temps et ma vie à une chose à laquelle je crois. Je ne vais pas perdre mon temps à faire une démonstration de ma non-croyance à une chose. Je ne vais pas perdre mon temps à faire une démonstration de ma non-croyance à une chose. Car si je le fais, ce n'est plus par conviction, mais pour un intérêt sous-jacent. Car si je le fais, ce n'est plus par conviction, mais pour un intérêt sous-jacent. Donc, le mécréant lambda,
a un mérite, celui de l'honnêteté. On peut être mécréant et honnête, juste envers les hommes. On peut être mécréant et honnête, juste envers les hommes. Mais si le mécréant est injuste envers Dieu, même si le mécréant est injuste envers Dieu, mais au moins, envers ses semblables, il peut être juste. Or ici, on a un mécréant, un apostat, injuste envers Dieu et injuste envers les hommes. Une double injustice, une double perversité, un double mensonge, une double trahison, une double supercherie, une double à l'infini. Or ici, on a un mécréant injuste envers Dieu et injuste envers les hommes, une double injustice, une double perversité, un double mensonge, une double trahison, une double supercherie, une double à l'infini. Où devrais-je dire que l'injustice est égale au nombre d'humains qui peuplent la planète, ou qui ont peuplé la planète? Tous. Où devrais-je dire que l'injustice est égale au nombre d'humains qui peuplent la planète? Ce qui donne une indication sur la taille de l'injustice. Ce qui donne une indication sur la taille de l'injustice. L'injustice multipliée par le nombre d'habitants sur Terre. Ça fait 7 milliards d'injustices. 7 milliards de perversités. 7 milliards de mensonges. 7 milliards de trahisons. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Un seul homme qui devra porter tout ça sur ses épaules. Majid, tu sauras bientôt la qualité de ton travail. Tu auras un jugement sur mesure pour récompenser ton œuvre. Majid, tu sauras bientôt la qualité de ton travail. Tu auras un jugement sur mesure pour récompenser ton œuvre. Si tu ne te repens pas, la récompense que tu vas recevoir sera du jamais vu pour un écrivain. Si tu ne te repens pas, la récompense que tu vas recevoir sera du jamais vu pour un écrivain. Wallahi, c'est donc ce genre d'injustice que tu ne prouves l'existence d'Allah et l'existence de l'islam et l'existence des prophètes. Plus que jamais, on y croit quand on t'écoute. Plus on t'écoute, plus la foi augmente et se renforce. Plus on t'écoute, plus la foi augmente et se renforce. Car une telle injustice ne peut rester sans réponse. Merci Majid pour cette magnifique preuve de l'existence de Dieu. Merci Majid pour cette magnifique preuve de l'existence de Dieu. J'ai vu Majid naître. Non. Et c'est vrai qu'on m'a demandé de commencer à m'intéresser à ces belles trouvailles et ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'observais. Je l'ai vu naître, vraiment, dès les premières vidéos qu'il a fait dès le départ, autour de son fameux livre, qu'il décrit comme quelque chose que aucune génération n'a atteint. Je le dis avec mes mots, c'est-à-dire on va le remercier, beaucoup de générations le remercieront pour ces belles trouvailles dans son beau livre. Là, Majid me rappelle, moi, le fameux Qassas, le fameux narrateur, là, vous savez, dans les temps anciens, pas très lointain, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les médias, donc il fallait occuper un peu les gens. Donc ils avaient, dans les pays arabes, ils avaient le narrateur, le Qassas, on l'appelle. L'Hakawati, dans les pays du Cham, par exemple, en Égypte, on l'appelle l'Hakawati. Et l'Hakawati, le Qassas, un jour, il a voulu parler du loup, qui, le loup de Surat Yusuf, le loup qui a mangé Yusuf. Donc il commence à dire le prénom du loup qui a mangé Yusuf. On lui a dit, mais le loup n'a pas mangé Yusuf. On l'a arrêté, donc on n'a pas. Dommage qu'ils ne l'ont pas laissé continuer. On aurait connu le loup qui n'a pas mangé Youssouf. Et il continue, dit non, même le loup qui n'a pas mangé Youssouf s'appelle. D'accord? Cette blague me fait rire seul, ce n'est pas une blague, ça s'est produit malheureusement. D'accord? Donc c'est exactement ça que Majid essaye de faire. C'est exactement ça. Avec brio.
avec acharnement, avec volonté, avec une belle détermination, avec une belle himma, d'accord, que décrit le frère qui m'a envoyé ce message dans son rappel et qui ne peut que être une nouvelle preuve supplémentaire de l'existence de Dieu, même si nous n'avons pas besoin de preuves pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, puisque j'ai prononcé le mot, je vais m'intéresser à Majid Inch'Allah. Donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, dans les merveilles et les trouvailles que Majid trouve, et il y a une tonne que vous pouvez jeter à la poubelle, on les a tellement entendues, il n'a rien apporté. Par contre, si il a attiré votre attention par une preuve, une trouvaille qui vous pose problème, envoyez-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi sur aboumama@outmail.com. Tant que je suis vivant, inchallah, et le jour où vous entendez parler de ma mort, ne m'oubliez pas dans vos doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une mort en étant croyant. Ya muqallib al-qulub wa al-absar, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wa al-absar, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wa al-absar, thabbit qulubana ala ta'atik. À 28 ans, donc je l'ai connu, je pense, je l'ai connu quand il avait 28 ans. Après 10 ans de recherche, il a eu de très belles trouvailles. Dans ma série sur le personnage, et le personnage ne m'a pas intéressé depuis le début, c'est vrai que quelques-uns m'ont contacté sur mes comptes pour au moins que je m'intéresse à son cas, mais on ne pourra pas s'en sortir, je le dis à chaque fois. Il y en a eu, il y en a, il va y en avoir, d'accord? Quand j'observe les anciens, aïe aïe aïe, la fin a toujours été bizarre, et la vie était toujours malheureuse, dépressive et malheureuse. Donc aujourd'hui, notre croyant, Majid, c'est pas un mécréant, c'est un croyant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traité dans le Coran. Dans l'argumentaire de mon frère, il parle du mécréant lambda, qui y est mécréant, qui passe sa vie à profiter de sa vie, point barre. Et il s'étonne de ce nouveau type de mécréant qui passe son temps à s'acharner pour inviter le monde à sa nouvelle croyance. Il rappelle Shaitan. Donc ça, c'est un autre type de mécréant. Donc ça, c'est un niveau élevé. Shaitan est comme ça. D'accord? Abu Lahab est comme ça. Non. Shaitan, بِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Point barre. Donc il jure par la puissance d'Allah de dévier toute la descendance de Adam. Mais vous avez bien vu qu'il a juré par l'existence, par la puissance d'Allah. Donc il croit en Allah, lui. Shaitan. Majid, non. Majid, c'est encore mieux. C'est un autre type de niveau. D'accord. Donc il n'y a aucun problème. Je vois qu'il commence à perturber quelques-uns. Il ne m'intéressait pas du tout. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y en a eu. Je peux vous parler même de quelques-uns d'il y a 80 ans. Qui ont voulu, comme Majid, inviter l'humanité à leur trouvaille. Ils ont fini suicidaires, les pauvres, ils se sont même suicidés. Parmi eux, il y a eu des hommes de lettres, il y a eu des poètes, il y a eu un homme brillant, un grand mathématicien, un bon mathématicien égyptien. Il y en a eu. Parmi les stars et les starlets, parmi tout ça, il y en a eu, non. Mais c'est vrai que quelques-uns comme Majid sont intéressants, parce que c'est vrai qu'ils sont dans le rôle de Shaitan. Ils aiment récupérer ce rôle-là, même si Shaitan le croit. Et ils veulent que tout le monde dévie. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Quand on a goûté à l'islam, ce n'est pas simple. Donc, avec bonheur, avec plaisir, je m'intéresserai, Inch'Allah, à notre Majid. Je te demande, Ya Majid, de te repentir. Je te demande, Ya Majid, de faire une chose que tu n'as pas encore fait. Et c'est vraiment la malhonnêteté totale. قاف
القرآن المجيد قاف والقرآن المجيد المجيد. Il faut que tu changes de nom lors de la naturalisation. Et tu es naturalisé français, tu es né français. Il y a cette demande-là, il y a cette possibilité de changer de nom. J'ai connu quelques-uns qui ont fait ça, même quand ils venaient de pays arabes. Je te conseille de changer de nom, de prénom. Qaf wal Qur'an al-Majid, et ton prénom est cité aussi sans le al, sans l'identification. Pourquoi je te cite le verset? Si tu es sincère et sérieux, tu dois d'abord faire le travail des orientalistes. Mes crayons orientalistes, ceux que l'Église ou ceux que n'importe quelle religion a utilisé pour détruire et saper l'islam de l'intérieur. Un bel orientaliste qui se respecte, un beau ennemi de l'islam qui se respecte, doit d'abord lire le Coran en arabe littéraire et l'apprivoiser en arabe littéraire. C'est ça le Coran. D'après toi, Dieu n'existe pas. Il n'a pas voulu se manifester. Donc on croit à quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi pas? Toi, tu crois à tes pensées, mais tu ne les vois pas, n'est-ce pas? Tu crois beaucoup de choses que tu ne vois pas. Non. Mais c'est un débat ancien, ça n'apporte rien à l'argumentaire. Et c'est vrai que c'est pas de cet angle-là que je vais t'apprivoiser, Inch'Allah. Mais moi, l'angle qui m'intéresse, c'est, puisque Allah n'existe pas, non, les musulmans et toi-même, tu dis que c'est le fameux Coran, très bien, il faut absolument que je t'entende lire le Coran, il faut absolument que je t'entende débattre à partir du Coran directement. Sinon, tout ton travail ne vaut rien. Tu le mets à la poubelle. D'accord? Le Coran est unique. Tu l'apprivoises, Naam. Tu as attaqué le prisme scientifique du Coran. N'a jamais dit que le Coran est un livre de science. Et les scientifiques, quand ils se sont intéressés au Coran, et quand ils avaient un minimum de sincérité au niveau du cœur, quand tu n'as pas, c'est vrai, ils n'ont pas pu dire autre chose que Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc première chose, mon ami Majid, s'il faut absolument que tu commences à donner encore 8 ans de ta vie, s'il te plaît, tu es encore jeune, jeune, et tu as beaucoup de temps. Tu dois utiliser ton temps, une partie de ton temps, au moins une huitaine d'années, s'il te plaît, pour que tu sois honnête au maximum, parce que de 20 à 28, c'était pas... Aïe, 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 de 20 à 28, c'est pas, c'est encore bébé, ça. Tu dois encore considérer une huitaine d'années et tu essaies de t'approcher à la quarantaine, s'il te plaît. D'accord? Si ton adoration, ou ta nouvelle croyance ne te pose pas problème et ne te pousse pas à perdre la tête un jour ou à te suicider un jour. D'accord? Donc, tu dois essayer d'aller vers la quarantaine, s'il te plaît, en observant le Coran directement dans ses sources, s'il te plaît. Là, tu as relevé apparemment un défi d'un reconverti qui a passé 18 ans, mashallah, dans l'islam et qui a demandé à l'humanité de lui donner des preuves de l'inexistence de Dieu ou de preuves contre l'islam. Moi, je te la fais autrement, s'il te plaît. Il faut absolument, quand tu es scientifique, quand tu prétends que ta trouvaille, ce que tu as fait, ta production, tu seras remercié. Beaucoup de générations te remercieront que tu as trouvé des choses que personne n'avait trouvées avant toi. La moindre des choses, s'il te plaît, c'est que tu t'intéresses au Coran. Il y a une méthodologie derrière. Il faut absolument que tu t'intéresses au Coran, que tu l'analyses. Le Coran, lui, s'il te plaît. Ah, ce qu'on t'a traduit. Ça ne vaut rien, ce qu'on t'a traduit. Pour que tu puisses sentir, est-ce que c'est Allah qui parle, ou est-ce que c'est un humain qui a voulu un harem, qui a voulu du butin, et qui a voulu ci ou ci ou ça. Absolument que tu lises le Coran directement avec la langue qu'Allah a choisie, s'il te plaît, pour que tu comprennes que non, le bédouin qui a voulu un harem ou qui a voulu du butin ne pouvait pas l'écrire. Donc déjà, c'est ça le problème. Notre problème à nous, c'est ça. Oublie Dieu existe ou n'existe pas. Ok, il n'existe pas. Très bien. Nous, on veut savoir quelle est l'origine du Coran. Quel état, à l'époque, ou même aujourd'hui, a pu nous créer, nous fabriquer, nous élaborer ça. On a besoin de savoir ça. C'est ça, c'est vraiment notre question. D'accord? C'est Qaf wal Qur'an al-Majid.
Allah fait mieux, il a décidé de ne pas se manifester actuellement. Et depuis très longtemps, non, il se manifeste, croyons, très bien. Les croyants le trouvent par leur cœur et par leur âme, non. Mais c'est sa décision, on ne va pas lui reprocher une décision, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Il dit, Qaf, wal Qur'an il majid, avec cette décision qui te semble malheureuse et bizarroïde, non, il met un mot, Qaf, que personne ne peut comprendre en plus, il le fait exprès, personne ne peut comprendre ce que c'est Qaf. Mais il l'a mis quand même dans le Qur'an. Et il dit juste après, wal Qur'an il majid, le Qur'an glorieux. Le majid. Le majid, ça comporte beaucoup de choses. Mais on va le traduire un peu avec le Coran glorieux. Donc, s'il te plaît, quand tu veux t'attaquer à l'existence ou à l'inexistence de Dieu, quand tu veux réveiller cette umma, ou c'est umam, d'accord, beaucoup plus brillant que toi, mon frère, on doit l'avouer, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus âgé que toi, les anciens comme les contemporains, les grands savants comme les petits savants, les plus grands ingénieurs comme les plus petits ingénieurs, les plus grands docteurs, comme les plus grands, ce que tu veux, naam, ont cru à cette parole, naam. Donc, tu vois ce que le frère te dit. La moindre des choses, mon frère, d'accord, quand tu veux, quand tu prétends pouvoir les réveiller de leur croyance inutile, malheureuse, saute, d'accord, imbécile, stupide, naam, quand tu prétends vouloir faire ça, la moindre des choses, c'est de t'attaquer directement à leur corpus, à leur référentiel. Mais c'est directement, s'il te plaît. Donc, je te donne quelques années, Inch'Allah, à travailler, s'il te plaît, pour que tu puisses travailler sur de bonnes bases. Ça marche? Mais je ne peux que me lancer, Inch'Allah, dans une nouvelle série. Le Majid, ok, mais c'est juste pour donner une idée à nos frères musulmans et non-musulmans qui aiment ça. Quelques non-musulmans qui adorent, machin. Je vois que tu fais la vidéo, elle explose. Normal, mon frère. C'est normal qu'elle explose. Non. Lui et d'autres, c'est normal que ça explose. Il ne prouve pas l'inexistence de Dieu à des gens qui ne croient pas en Dieu, à la base. Mais il s'amuse et eux, ils s'amusent avec lui. D'accord? C'est une nouvelle divinité. Il est croyant, le monsieur, attention. Il croit à des choses. Il ne veut pas ne pas croire. Et le Coran le dit, je lui expliquerai, Inch'Allah. Très bien. Majid, on lance le travail. On va travailler, Inch'Allah. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, honnêtes. Soyez toujours honnêtes dans ce que vous rapportez, s'il vous plaît. Dans ce que vous allez m'écrire. Les choses de la poubelle, mettez-les à la poubelle. Les choses qui se répètent, mettez-les à la poubelle. Quand Majid vous défie par quelque chose qui vous semble un peu délicate, que vous n'arrivez pas à comprendre, qui sème le doute dans vos têtes, s'il vous plaît, vous les musulmans, envoyez-moi, je vais vous aider, Inch'Allah. Non, je vais approfondir, je vais chercher, parce que pour se mesurer Majid, il faut vraiment être brillant, et c'est vrai que je ne peux pas prétendre cela. Non. Les non-musulmans, maintenant, s'il vous plaît, vous avez analysé les belles trouvailles de Majid, vous les partagez, vous êtes heureux de ça, Inch'Allah. Je vous demande aussi, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a séduit, dans cette démarche que vos parents et arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ont adoptée. Dans vos parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents, il y a eu des hommes brillantissimes, mais vraiment brillantissimes, et qui ont voulu attaquer l'islam de l'intérieur, et qui ont appris le Coran et qui ont essayé. Qu'est-ce que Majid vous a apporté de plus, s'il vous plaît? Ma question, qu'est-ce que Majid vous a apporté de plus? Qu'est-ce qu'il vous a donné de plus, s'il vous plaît? D'accord? Donc à vous aussi de me donner ces belles trouvailles qui m'intéressent, d'un prisme non-musulman. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.